Bonjour les amis, comme vous le savez, je suis en vacances et j'ai beaucoup de chance puisque regardez qui est à côté de moi, c'est Réo, c'est elle du blog By Réo. Bonjour Réo. Bonjour Julien. Je suis super content d'être avec Réo. Vous savez, Réo, c'est une grande blogueuse très spécialisée dans la cosmétique fait maison. Et puis, elle me fait le plaisir d'être là aujourd'hui. On s'est dit avec Réo qu'on allait donner des astuces et des astuces pour la rentrée. Avec une huile exotique, parce que là on est à la plage, Réo. Ah oui. Alors quelle est l'huile qu'on a choisie? Alors c'est de l'huile de coco qui se présente donc sous forme solide, comme vous pouvez le voir, et qui à température ambiante se liquéfie. Voilà, donc quand vous achetez l'huile de coco, elle est solide. Quand vous la chauffez dans les mains ou que la température monte, elle fond. Une première astuce peut-être? Une première astuce pour les cheveux. Donc pour préserver les cheveux, les nourrir, avoir des cheveux bien brillants à la rentrée, il suffit de prélever un tout petit peu d'huile de coco, de bien la chauffer pour la fluidifier entre vos mains, et ensuite vous l'appliquez tout simplement sur vos longueurs. Donc vraiment bien vous insister sur les pointes, les parties les plus sèches. Voilà, ça c'est un geste qui va gainer le cheveu sans l'étouffer, qui va réparer le cheveu. Le nourrir, oui. Et toi, tu pratiques ce geste avant d'aller à la plage, par exemple, avant d'aller à la plage pour les préserver donc de la baignade, éviter qu'ils ne se sèchent trop, mais également en rentrant de la plage, avant mon shampoing ou dans la vie quotidienne, juste sur les pointes. Et à ce moment-là, tu laisses poser plusieurs heures et puis tu fais un shampoing. 30 minutes, voire une nuit, et ensuite je fais mon shampoing. Voilà, c'était un geste tout slow. Merci Réo. Merci Julien. Je vous donnerai d'autres astuces et je pense que toi aussi Réo, tu en reparleras de l'huile de coco. On vous souhaite une bonne rentrée. Nous en tout cas, on a la plage ici, oui. Dans l'île de beauté. C'était normal de vous y retrouver. À bientôt. À bientôt.